une des affaires qui m'ont regretté terriblement. Je trouve ça insupportable, inacceptable, ces manières ce gouvernement-là peut traiter le gouvernement indien. C'est une insulte. Oui, c'est une insulte au gouvernement. Pas islo là. Le dire qu'ils n'ont pas pour un cas, c'est clair, parce que l'intérêt est trop faux. Quand il y a un grand là-dedans, vous connaissez l'un qui fait pour nous. Quand il y a un chimungunya, l'un a besoin d'un bateau de guerre pour donner ce qu'il nous a besoin pour traitement. Quand il faisait faire mapping océanographie, nous pas demander, mais on apprend qu'il y a un bateau indien équipé qui peut faire pour la région près de l'Inde. Mais on demande, c'est pas possible de faire ça pour nous, parce qu'il coûte 80 millions de roupies. L'Inde dépêche ce bateau-là, il fait faire sa map océanographique-là, et pas prendre un sou. L'Inde, c'est un pays qui est tout le temps présent à côté de Maurice. Et aujourd'hui, comment tout ça, le gouvernement, la manière peut traiter l'Inde. Mais tout ça, insupportable. Inacceptable et m'espérer l'impunité. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il peut gagner les autres investisseurs arabes qui. Vous connaissez, nous disons bien qui s'en a nous, camarades. Vous connaissez qui dit blood is thicker than water, et dans l'Inde, et dans la France, et dans la Chine, trois pays qui est nous, ça. Nous ne pas gagner droit ainsi les autres.